Immostim est une société de conseil en décarbonation qui s'adresse aux acteurs de l'immobilier et de l'aménagement du territoire. Concrètement, nous déployons deux activités. Une première activité qui consiste à trouver le meilleur approvisionnement énergétique pour les grands projets et les quartiers. Immostim met en avant naturellement le recours aux énergies renouvelables. On peut parler de géothermie, de photovoltaïque et de distribution de chaleur ou de froid par les réseaux urbains. On a une approche chez Immostim qui est l'approche dite de la boussole. La boussole contient quatre directions et nos quatre directions à nous, nos quatre expertises sont les suivantes. On travaille d'abord sur la technique et sur le volet environnemental d'un projet. Et puis naturellement, on embarque le volet financier et le volet montage contractuel. À titre d'exemple, nous travaillons actuellement sur 5 opérations franciliennes pour justement accompagner les maîtres d'ouvrage qui sont soit promoteurs, soit propriétaires sur ces questions d'approvisionnement énergétique, de projets neufs ou dans le cadre d'évolution de mix énergétique, l'idée étant naturellement d'arriver à du bas carbone. Notre deuxième activité est une activité qui s'adresse aux propriétaires, sociétés foncières, sociétés de gestion institutionnelle, asset managers et propriétaires exploitants. Nous les accompagnons pour mettre en place et déployer leur stratégie ESG. Là encore, nous avons une méthode bien à nous, c'est-à-dire qu'on va chercher à comprendre la feuille de route, la stratégie fixée par la gouvernance de nos clients, premier point. Le deuxième point, on va intégrer le contexte du marché. Et puis, naturellement, tout l'environnement réglementaire qui est assez diffus, qui est parfois disséminé, parfois difficile à comprendre, pardon. On peut les accompagner sur le label ISR, sur la mise en place ou le renouvellement d'un label ISR. Nous sommes présents également pour créer des grilles de notation ESG. On travaille beaucoup à l'automatisation de process qui consiste à collecter des données, à les utiliser et ensuite à travailler au reporting extra-financier. Et puis, nous mettons en œuvre des schémas directeurs de décarbonation. À titre d'exemple, nous travaillons actuellement pour un propriétaire exploitant d'établissement de santé sur l'échelle du territoire. Nous allons l'aider à mettre en place une grille de notation ESG. Et puis, nous travaillons pour une société de gestion dans le cadre de son label ISR et pour l'aider dans le reporting extra-financier. L'idée étant d'arriver à des choses simples. On est beaucoup dans la pédagogie.